Bienvenue sur BySpares. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplacer un filtre secteur dans un sèche-linge Beko. Important, avant de remplacer une pièce dans tout appareil électrique, vous devez d'abord vous assurer que l'appareil est débranché. Si votre sèche-linge fait déclencher le boîtier à fusible ou fait sauter les plombs, le problème peut être un filtre secteur défectueux. Commencez par dévisser les vis afin d'enlever le panneau supérieur. Soulevez le panneau et localisez le filtre à l'arrière. Desserrez les vis de fixation et soulevez délicatement par l'arrière. Examinez s'il y a des traces de brûlure, une formation de cloque ou des signes de fuite de liquide. Si des dommages sont détectés ou si le filtre montre de la résistance provenant de toute connexion à la terre, de moins de 2 mégaohms, remplacez-le alors en transférant les fils un par un. Remonter le filtre dans l'appareil, puis remettre le panneau supérieur avant de réessayer l'appareil et de vérifier le fusible si nécessaire. Pour toutes les pièces de rechange dont vous avez besoin, visitez www.byspares.fr.